aventure de notre dresseur qui se rapproche de plus en plus de son titre de maître Pokémon. Et oui, aujourd'hui donc, j'ai retiré l'X-ray comme vous pouvez le voir, car c'est bon, il a up 51, donc je l'ai fait très rapidement au chenal, hein. Meilleur endroit, donc Galoba prend la première place puisqu'il est au 47. Et voilà, et aujourd'hui on se lance pour la quête. La quête de la route des victoires, qui est la route qui précède notre qui précède le plus grand rêve de tout dresseur, avec sa musique en plus personnelle, on va dire, hein. L'utilisation d'un max repousse, c'est parti mon kiki. Alors c'est pas ici qu'il faut descendre, hein. Je vais tenter de le finir en épisode, ça serait cool que j'y arrive. Donc c'est pas là non plus normalement, enfin si, c'est là-bas pour la suite. Ornithologue. Je m'en souviens à peu près des dresseurs, j'ai intérêt parce que si je vais essayer d'avoir toujours l'avantage sur les autres, voilà, c'est avoir plus facilement, ça serait cool. L'épisode 19 est toujours en train de... au sens de mettre en place de... de temps du... sur ma chaîne. Moi, j'arrive pas à parler. Et l'épisode 20 est en attente derrière. Voilà, je rattrape ta vie. Yeah. Comme un bousillier, les bébés des formations. Plus c'est ça. Oh, les mignons, pays. Oh, psychote pas. Punaise, c'est pas fort du tout. Allez, coup de feu pour finir. Évolution de Togepi. Jamais vu. Est-ce que je le garde quelque part? Changer ou pas changer? Changer ou pas changer? Changer ou pas changer? Je vais le faire. Je crois que c'est Parada en plus en XP. Dans l'épisode précédent, là il vient de me le faire. J'ai vu le résultat. D'accord, ok. Je me suis coupé, je suis dans les niveaux. Si ils ont qu'un seul, doit être dans. Ouais, mais j'essaie de réfléchir au niveau que ça peut être leur Pokémon. Alors, bon. Premier combat, première guérison au centre Pokémon d'à côté. D'ailleurs c'est débile mais bon, à côté c'est cool. Bon, celui du bas, t'inquiète pas, on arrive. Et laisse-nous prendre notre temps. Ouais, j'essaie, ouais, vite la redite, j'essaie de faire ça en un épisode. Et là le Pokémon, je ferai ça en un seul épisode, il sera sûrement assez long je pense. Hein. Je pense qu'un combat égalera 10 minutes à peu près. Il y a 5 combats. Presque un épisode d'une heure. Hein. Ça vous fera plaisir sûrement, je pense. Enfin, plaisir, ça dépend. C'est vrai que c'est chiant à regarder. Mais bon. Ça me fait chier en fait de couper en plein milieu d'un combat ou du... Voilà, en plein milieu de la quête. Alors, Torterra va XP aussi un peu. Parce qu'on a un stack qui existe. Donc, type psy. Ce Pokémon, oh merde, c'est pas dans la souris, la souris.
chambre. Ça faut que je la prenne d'ailleurs avant. Ouais, ouf. Est-ce qu'il a cette technique? C'est des bibis là. Vos Pokémon, je reviendrai souvent ici, hein, ça je vous le dis. Enfin, ça serait si en tous les cas que je puxerai avant de faire les Pokémon. Je sais pas si j'ai fait aujourd'hui, hein, je pense pas. Tourmente. Donc, si voilà, si vous regardez et puis vous, si vous faites en même temps l'aventure, il faut savoir que dans cette arène, il faut. Dans cette arène. Dans cette zone, il faut avoir escalade, force, surf, cascade et éclatroc. Enfin, éclatroc, c'est pour toujours récupérer des objets. Vous n'êtes pas obligé. Pas obligé, mais voilà. Voilà. On va continuer. Hein. Le maximum de Pokéball, hein. J'ai craqué. C'était pas le but. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand on a une télécommande qui ne veut pas tourner? Je me rappelle super bien. Je me souviens qu'il y a eu super cher. Enfin, vous allez voir les vies, comment ça va défiler. Alors pourtant, je vais avoir sa faiblesse. Hein. Cette attaque sera plus très efficace. Maintenant, cette attaque sera efficace. Haha. Échec et mat. Yes. Je vais utiliser dans cela, mais ensuite cette attaque-là sera tirée totale. Voilà. En plus, c'est un pack, c'est un Pokémon AXP. Hein. Alors, type électrique et acier. C'est surtout l'acier qui m'intéresse. Des Pokémon que j'ai jamais rencontré, c'est super ça. Puisque j'essaye de compléter mon Pokédex. Comme ça, voilà, je suis content. C'est juste pour vous montrer ce qu'il va me donner, professeur. Et voir s'il y a vraiment rien. Bâtard. 122 sur 122, très bien. Allez.
ce mode. Torterra, je sais pas si une bonne idée, car chaque fois qu'on pue, mais ça me fait plaisir de le faire. C'est bon, écoutez. Bougez, bougez. Quoi? Bon, utilisation de la technique spéciale. Alors c'est un Pokémon. Cache un croc tunnel. Même pas besoin de corde sortie. Et voilà, voilà. C'est ça qui est bon. En fait, je vais peut-être couper au milieu parce que je voudrais bien que cette ligue Pokémon, vous voyez, ça fasse l'épisode 40. Je sais pas pourquoi ça fait plus classe que l'épisode 39. Parce que là, sérieusement, là, ça fait moche, je sais pas. Les Pokémon, épisode 39, les Pokémon, épisode 40, quoi. Je sais pas, c'est mon choix. Je vais couper à 10, ça va 15 minutes. Ah, en fait, si, il y a besoin d'éclatroc. Il y a vachement besoin d'éclatroc en fait. Donc, en fait, ce n'est pas pour aller chercher des trucs, hein. Des objets, c'est bien pour éclatroc, hein. N'oubliez pas, il vous le faut aussi. Hein. Pas aller plus loin. D'ailleurs, je me sens que j'étais surpris. Vous voyez, comme pour voir, ce sont des petits casse-têtes, hein. Puisque j'ai un max repos, je vais pas me faire chier. Oh non, j'étais bon en plus. Mais comment qu'on fait pour y aller? Expliquez-moi. J'ai envie de bouffer mon max repousse pour rien, c'est pas grave. Mais là, je sais pas comment on fait pour aller. Oh non, j'ai oublié de mettre le max repousse. Voilà, on voit tout de suite que je me fais attaquer. Hein. Je crois qu'il donne un fait d'XP. Je vais le faire. Pouf. Je me vole. Tu veux le vole? Voilà. Je crois qu'il me donne un gain. On va rien, on va rien dire. On va faire comme si on n'avait rien vu. Je me sens petit là sur le coup. Bon, alors déjà dans la route de victoire, pour l'utilisation de la technique force, vous allez voir qu'il y a un début de... de réflexion à avoir, c'est une sorte de casse-tête. Mais bon, ça c'est pas un casse-tête, hein. Et avec l'utilisation de force, c'est quelques casse-têtes à avoir. Donc ici, voilà, ici en fait, vous voyez, si vous poussez vers le bas, vous perdez. Vous allez devoir retourner en arrière. Parce que vous voyez, si vous la poussez ensuite, je prends un souris, si vous la poussez ensuite, vous allez arriver par en dessous. Et ensuite, et ben voilà. Et puis ensuite, voilà. Et ensuite, quand vous allez voir passer, vous allez passer. Et hop là, vous allez être bloqué. Donc, le truc, c'est de pousser celle-là, de passer, d'utiliser la drogue, de la repousser. Et de passer. En fait, ça, c'est un piège. Bon, pendant ce temps, on n'a pas que ça à faire. J'ai un combat à faire. T'as pas un qui est passé la balle. Ah, enfin ma mouchon, j'étais
regardez les photos des timbres. Oh merde. J'ai cliqué un peu vite. J'aurais pu cher. Maintenant qu'elle pas été pris un petit peu. Je vais souffrir, putain. Mais c'est pas une blague, c'est pas des faux là, c'est pas des faux la prochaine. Vous lui mettez la pierre pour y avoir manqué de respect. Allez, pouf, pouf, pouf. Voilà, vous comprenez. Bah, en fait, il faut vraiment que la troque ici, hein, sinon vous pouvez pas avancer. Attendez, je l'ai mis dans l'un. Je vais galoper parce que là, le pauvre, là, je le sens pas. Moi, je le guéris. Je sais qu'il y a un Torterra. D'accord, si j'ai une baie. Non, j'ai des baies orange, j'en ai plein. Mais... Ah, les baies qui gardent, voilà, c'est ces baies-là. Citrus. Pardon, je lis des trucs. Enfin, je me lis pour voir. Moi, j'ai des bureaux. Bureau, c'est vraiment pas intéressant à ce niveau-là. Parfait, 120. Stop. T'as un 4B quoi. C'est toi qui l'as ça. Pourquoi utiliser une protection?
J'ai pas envie de retourner en arrière. Attendez, je bouge un peu sur le temps là bientôt là. Ça doit être la fin. J'utiliserai peut-être des super bonbons, hein, je vous dis, parce que. Autant en profiter. Alors voilà, c'est ici qu'il y a un casse-tête. Alors, pour passer, c'est tout simple, hein, c'est poussé par là-bas. Mais là-bas il y a quelque chose aussi. Ah oui non c'est bon je sais. Voilà, faut passer ici, vous êtes obligé de passer par ici. Ensuite, vous venez et vous poussez la pierre ici. On reviendra, vous inquiétez pas. On fera peut-être ça pour le prochain épisode. En fait j'avais dit que j'utiliserais pas, mais je vais l'utiliser, hein. Et je vais vous laisser ici en fait, hein, parce que l'écho de victoire a duré plus longtemps que je ne le pensais. Nous sommes à peu près à la moitié de cette route. Je vais vous retrouver à l'endroit où j'étais arrêté, enfin oui, à l'endroit où j'étais arrêté. Pour continuer et finir la route de victoire dans l'épisode 39. Voilà, vous savez tout ce qu'on va faire la prochaine fois. Je vous laisse sur cette sauvegarde. Et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.